Où en étions-nous? Ah oui, je vous disais que je suis fatigué de vos promesses. Les autres fois, j'avais seulement promis. Mais cette fois, c'est juré. Oh, vous dites ça, mais je sais bien que... Oh, alors, si vous savez bien. Non, non, mon petit, il ne faut pas que vous croyiez que ce que vous dites est sans valeur pour moi. J'ai beaucoup pensé à vous ces jours-ci encore. Comme en juin dernier. Quand mon père était à l'agonie, qu'on voulait vous renvoyer. Et que c'était surtout à vous que je pensais. Même en ce moment-là. Je vous l'ai dit alors. Vous vous souvenez? Non? Vous ne vous souvenez pas? Je veux pas être indiscret. Dites surtout que vous vous en fichez. Eh bien, ces jours-ci, quand je pensais à vous, je me disais que je vous comprenais comme si vous étiez mon enfant. Vous souriez? Mais je souris pas. Si, vous avez eu un de ces petits sourires. J'ai souri malgré moi. Mais c'était pour une bêtise. Quelle bêtise? Je vous en prie, une minute de sincérité. J'ai souri parce que vous faisiez des dessins sur votre buvard. Je faisais des dessins sur mon buvard. Parce que je pensais à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes gentil avec moi? Parce que vous méritez que je le sois. Ça va à peu près le travail. Oh, ce soir, il y a mon devoir d'allemand. Mais c'est de ce soir et demain en étude, j'irai voir un peu avec vous ce devoir d'allemand. Et à la scola, ça ne va pas fort. Hein? Vous avez une jolie voix et vous arrivez à gâcher même cela. Ça vous coûte donc beaucoup d'être poli avec vos professeurs? Oui, ça me coûte beaucoup. Il y a des moments où je voudrais savoir ce que vous pensez de moi. Comment vous me jugez? Savoir si dans votre caboche, cela travaille contre moi ou en ma faveur. Mais, monsieur l'abbé, on veut le faveur. Alors tout va bien. Et maintenant, filez au trottoir. Votre billet pour le surveillant. Monsieur l'abbé de Prats. Au lit, et vite. Vincent, passe-moi ta lampe. Dans l'écuyer. Hé, j'oubliais, il y a un billet sous ton oreiller. Sevrer l'a fait passer à Denis pendant le cours de physique. Et au réfectoire, Denis me l'a passé pour que je te le transmette. Mon cher Serge, je ne me plains pas que tu sois devenu pensionnaire, puisqu'on croit que c'est bon pour toi. Tout ce qui est bon pour toi est bon en soi. Mais comment connaître mieux tes idées? Comment voir plus clair en toi et avoir quelques bonnes influences sur toi en ne te voyant qu'une fois par semaine? Si tu réussis l'exploit de ne pas être collé dimanche, rendez-vous au parc, sous la grotte des lapins. Ne pas lire la crotte des lapins. Thank you.
J'ai un rhume. T'as toujours un rhume. Tu caches toujours bien mes lettres ? Oui, dans mon pupitre, sous les livres. Et si de prendre ses fouilles ? Penses-tu qu'il fasse ça ? Au fond, ça serait pas tant s'il les trouve. Les autres types, non, mais lui. À propos, ce matin, de Pratt nous a passé un savon. Devant toute la division, nous désignant par nos noms. Je ne veux plus de ces associations. Gibois-Lapaillie, Lensbourg-Denis, Sevray-Souplier. Là-dessus, tous les noms, toutes les histoires. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Oh, moi je continue. Et toi ? Si on nous le défend, moi aussi je continue. Encore une fois, avant de partir. Dépêchons, en silence, s'il vous plaît. Asco, qu'est-ce que je viens de dire ? Vous êtes sourd ? Arrêtez les bavardages. Parlez, monsieur l'abbé. C'est à propos de ce coup. Je vous écoute. Monsieur l'abbé,
Je ne peux pas supporter que vous jugiez que mon influence sur Souplier contrarie la vôtre. Si vous jugez qu'elle n'est pas bonne, dites-le-moi. Je suis prêt à rompre avec lui. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous offrez à rompre avec Souplier. Si c'est pour nous mettre à l'aise, vous savez que nous sommes faits pour n'être pas à l'aise. Mais si cette solution vous paraît la meilleure, je vous dirai que c'est bien mon avis. Vous a-t-il parlé de moi? Que pense-t-il de moi? Il ne m'a jamais dit que du bien de vous, monsieur l'abbé. Mais encore, que vous a-t-il dit? Bon, vous ne voulez rien dire. Il y a longtemps que vous aviez cette association avec lui? Depuis le 14 janvier. Depuis le 14 janvier. Et nous sommes en avril. Eh bien, je vous fais mes compliments. Vous avez bien caché votre jeu. Nous n'avons pas caché notre jeu, c'est une question de tenue. Ah. Une question de tenue. Vous avez dissimulé tous les deux à merveille, comme dissimulent les gosses, qui dissimulent aussi bien que les femmes. Sinon mieux. Si j'avais pu faire autrement. Le 14 janvier. Il a dû y avoir quelque chose de très sensationnel dans cette journée du 14 janvier, pour que vous vous souveniez si bien de la date. Il y avait eu un malentendu entre nous. Ce jour-là, il m'a dit « Je sais bien que tu te fiches de moi ». Moi, je lui ai répondu « Non, je me fiche pas de toi ». Et c'est tout? Oui, c'est tout. Pardon. Entrez. Votre surplis, monsieur l'abbé. Ma femme l'a amidonné, repassé, mais ce rabat de dentelle est encore effiloché. Il faudrait, à son avis, que... Nous verrons cela plus tard. Remerciez madame Priel de ses bons soins. Comme cela, nous ne serons plus dérangés. À propos de confession, qui est votre confesseur ici? Je me confesse à un prêtre de la paroisse. Oui, cela va avec le reste. Personne n'ignore que vous êtes le seul élève de votre division à être externe libre.